Vierge Marie, Sainte Bernadette, tous les pèlerins, merci de prier pour Marie-Jo, afin qu'elle se soigne et sorte de sa profonde dépression. Vierge Marie, merci pour toutes les grâces obtenues. Nous croyons en vous. Merci en union de prière de prier pour Marie-Jo. Oui, bonjour. Je voulais confier la protection de Notre-Dame de Lourdes aux malades de mon entourage et même une personne qui a eu un accident en montagne. Voilà. Je confie tout cela à Notre-Dame de Lourdes. Merci infiniment. Bonjour, je demande à Marie qu'elle veuille bien prendre Raymonde sous sa protection, car elle en a besoin, sa fille étant très malade. Merci. Pour Marcelino Marronnet, un jeune de 14 ans de Bailleul dans le nord de la France, atteint d'une tumeur au cerveau, nous prions pour lui et pour sa famille et tous ceux qui le soignent et qui soignent nos frères et sœurs malades. Nous prions aujourd'hui les mystères glorieux du rosaire. Nous sommes heureux de prier avec les jeunes des diocèses de Lyon, Lille et Cambrai, avec tous les pèlerins présents à la grotte de Massabielle et tous ceux qui nous écoutent sur les ondes. Nous prierons aujourd'hui ce chapelet pour les vocations afin que les familles soient un lieu où chaque jeune puisse découvrir et faire grandir sa vocation dans l'Église et dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Premier mystère glorieux, Jésus ressuscité d'entre les morts. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour l'Église, corps du Christ, ressuscité en ce monde. Qu'elle soit toujours plus courageuse, que les baptisés se rappellent que l'Esprit du Christ ressuscité habite en eux. Nous prions tout spécialement pour les jeunes, qu'ils répondent avec courage et générosité à l'appel du Christ à devenir des saints. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deuxième mystère glorieux, Jésus monté aux cieux partage la gloire de son Père. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marie, au matin de l'Ascension, ton Fils Jésus envoie ses disciples en mission. L'Esprit-Saint les conduira à la rencontre de l'humanité sans distinction de race et de culture. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les missionnaires, prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui partent annoncer l'Évangile. Nous pouvons porter particulièrement dans notre prière tous les consacrés que nous connaissons personnellement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patris et Filio et Spiritui Sancto, sic uterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Les apôtres reçoivent l'Esprit Saint. Remplis de l'Esprit Saint, les apôtres proclament les merveilles de Dieu. Marie, le jour de l'Annonciation, l'ange du Seigneur t'avait dit de ne pas avoir peur. L'Esprit Saint était avec toi. Au jour de la Pentecôte, ce même Esprit Saint est donné à l'Église. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les jeunes. Nous te confions particulièrement tous ceux que Dieu appelle à devenir prêtres, religieux ou religieuses. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne soumets pas à la tentation. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption. Marie partage la gloire de son Fils ressuscité. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour l'Église. Qu'elle témoigne des merveilles de Dieu et appelle joyeusement les ouvriers de l'Évangile dont elle a besoin pour sa mission au milieu des hommes. Nous te confions, Seigneur, tous les prêtres, les religieux et les religieuses qui rencontrent des difficultés et qui traversent la souffrance. Que le Seigneur les accompagne et les aide à vivre ces épreuves en union avec lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Gloria Patri et Filio et
et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie. Toutes les nations me diront bienheureuse. Marie, auprès de Dieu, tu es couronnée de gloire et d'honneur. Fille de Palestine, tu es devenue grande dans le cœur de Dieu pour ta confiance et ta disponibilité. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson de nous rendre davantage confiants et disponibles à son appel. Nous prions spécialement pour les jeunes qui se préparent au mariage, qu'ils puissent découvrir la beauté du message de l'Évangile sur l'amour humain. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Je vais maintenant vous donner la bénédiction. Je vais en profiter pour bénir vos familles
Donc c'est le moment de porter toutes les intentions dans votre cœur qui vous ont été confiées par des amis, par la famille en venant à Lourdes. Donc je vais vous inviter peut-être à vous lever. Nous nous mettons sous le regard de Marie, sous le regard de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu as tellement aimé les enfants que tu as dit qu'ils les accueillent, c'est moi qui l'accueille. Écoute la prière que nous te présentons pour tous ces jeunes, leurs parents et les membres de leur famille. Écoute la prière de toutes ces personnes rassemblées en pèlerinage à la grotte de Massabiel, auprès de la Vierge Marie ta mère. Puisque tu les as comblés de la grâce du baptême, ne cesse pas de les bénir et de les protéger pour qu'en grandissant, ils croient en toi librement, qu'ils soient fervents en charité et persévèrent courageusement dans l'espérance de ton royaume, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'horreur du salut. Donner naissance à Jésus le Sauveur. À toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Qui le désire, eh bien, vous pouvez rester pendant une dizaine de minutes pour écouter une petite catéchèse sur le méchage de Lourdes. Voilà, nous commençons dans quelques secondes.
Alors, chers amis, quelques mots sur cette grotte de Massabielle, quelques mots sur le message de Lourdes. Je voudrais attirer votre attention, je ne sais pas si vous avez tout le récit des 18 apparitions en tête, mais vous savez que la première apparition, au moins, à la grotte de Massabielle, est une apparition silencieuse. Ouais. Là où nous cherchons d'abord à parler dès qu'on voit une personne, et puis peut-être, quand on se connaît vraiment bien, on accepte de rester en silence à côté de quelqu'un, mais seulement après quelques années, la Vierge Marie commence par rester en silence. Donc le premier contact est un contact silencieux, un contact du cœur, un contact de la prière, vous voyez. Et alors, si la Vierge Marie a vécu ça avec Bernadette, c'est aussi parce qu'elle désire vivre ça avec chacun de nous. La grotte, je crois qu'il y a la grotte de Massabielle, il y a une grâce toute spéciale, à part quelques moments, de silence. C'est un lieu de silence. On y vient pour parler, puis tout d'un coup, on se trouve absorbé par le silence. Alors c'est l'occasion aussi de redemander au Seigneur cette grâce de la relation toute simple avec Dieu. Et la relation toute simple avec Dieu, elle passe par la vie silencieuse. Voilà. Alors dans notre monde qui est très bruyant, eh bien c'est une grâce à demander, parce qu'en plus, le monde, il en a besoin de ce silence. On a besoin de petits îlots de silence. Vous voyez, là, si on regarde cette première apparition de Bernadette, réflexe, lorsque qu'elle voit cette forme, cette dame, dans le creux du rocher, son premier réflexe a été de saisir son chapelet. Vous voyez, une vieille habitude, la vieille habitude du chapelet. Vous voyez. Chez Bernadette, il y a une vieille habitude de la prière. Et d'où vient cette vieille habitude ancrée dans le cœur qui, finalement, lui a été si précieuse dans sa vie pour nourrir sa relation à Dieu. Elle lui vient sans doute de sa famille. Je ne sais pas si vous êtes allé visiter le Cachot, dans la ville de Lourdes. Bien, vous savez que le Cachot, Sainte Bernadette, y a vécu au temps des apparitions. Et le cousin Sajou, qui habitait l'étage du dessus, entendait plus ou moins à travers le plancher les bruits du dessous, donc les bruits de la famille Soubirou, qui était enfermée dans ce 16 mètres carrés. Et elle entendait chaque soir la famille prier le « Je vous salue Marie », prier ensemble, ils priaient la prière familiale. Voilà. Et je crois que cette belle habitude qui a été laissée dans le cœur de Sainte Bernadette, eh bien, pour tous ceux qui ont des enfants ici, pour toutes les familles, je crois que la Sainte Vierge nous invite à la semer dans le cœur de ceux qui nous sont confiés. Voyez, la prière, c'est aussi quelque chose qui s'apprend en famille, c'est une belle grâce. Et c'est important de pouvoir transmettre la prière, donner cette habitude, hein, pour que cette habitude soit bien enracinée dans le cœur. Hein, c'était le cas pour Bernadette, et que cette habitude puisse grandir, cette habitude de la prière, dans le cœur de tous les jeunes qui sont là, et puis dans le cœur de tous les jeunes qui vous sont confiés. Le chapelet, cette prière du chapelet, on peut en avoir une bonne habitude, mais on peut le dire aussi de manière très extérieure. Vous savez, une des premières grâces, sans doute pas la première, mais une des premières grâces de la première apparition de Lourdes, le soir même où Bernadette voit la dame le 11 février, comme à leur habitude, la famille Soubirou commence la prière du chapelet, et au moment où Bernadette dit les « Je vous salue Marie », elle se met à pleurer. Voilà, elle n'avait jamais pleuré sans doute en disant le rosaire, en disant la prière du « Je vous salue Marie », elle se met à pleurer. Parce que voilà que ça vient réveiller ce qu'elle avait vécu quelques heures auparavant à la grotte. Vous voyez la lumière qu'elle avait vue au creux du rocher, en disant le « Je vous salue Marie », elle se rend compte que cette lumière, elle est dans son cœur. Elle avait peut-être dit des milliers de fois le « Je vous salue Marie », mais cette fois-ci, c'était tout son cœur qui était impliqué. Et je crois qu'à Lourdes, on apprend aussi à intérioriser, à aller chercher toujours plus profondément, à dire toujours plus profondément la prière du rosaire. On peut la dire avec les lèvres, mais ce n'est pas suffisant. Il faut la dire avec les lèvres, mais il faut la dire aussi en y mettant tout son cœur. Et beaucoup de témoins diront que quand Bernadette était là à contempler la Vierge Marie pendant les apparitions, donc, elle priait la prière du rosaire, mais elle s'arrêtait.
Voilà, elle s'arrêtait. Pendant des moments, elle restait là à contempler. Et puis même à la fin des apparitions, elle repartait et elle restait en silence. Pendant longtemps, il ne fallait pas la déranger, elle était dans le recueillement. Vous voyez ? À travers toutes ces apparitions, Bernadette est devenue de plus en plus contemplative. Sa prière a été de plus en plus profonde. Et le pape Jean-Paul II, il a cette belle phrase, il dit « Plus notre vie est chargée de mission, plus on a de choses à faire, plus on a la mission d'évangéliser aussi, plus on fait de choses, plus généralement, au travail, dans la famille, dans les associations, plus on s'active, même dans un pèlerinage à Lourdes, plus on a besoin, en contrepartie, d'avoir des moments de contemplation. Jean-Paul II insiste bien sur ce couple mission-contemplation. Plus je suis actif, plus j'ai besoin de la contemplation. Alors demandons aussi à Bernadette de nous montrer ce chemin du silence, de nous aider à prendre l'habitude de la prière, de nous aider à avoir une prière toujours plus contemplative, qui vient toujours plus du cœur. Et puis demandons-lui aussi que cette prière soit contagieuse. Regardez comment Bernadette a prié, sa prière est devenue contagieuse. Vous savez, au début, elle était la seule, il y avait Jeanne Abadie, Toinette, qui était en train de chercher des morceaux de bois, des morceaux d'eau dans la grotte de Massabielle, elle était un petit peu plus loin, de l'autre côté du petit cours d'eau, donc ils étaient trois. Très rapidement, il y a commencé à avoir des gens qui sont venus autour, qui se sont levés de plus en plus tôt. Puis rapidement, on a eu des centaines de personnes qui sont venues s'accumuler, à la fin, on se levait à minuit. On se levait à minuit pour être là au commencement de l'apparition. Voilà. Sa prière, elle n'a pas seulement servi à elle, sa prière, elle a arrosé tous ceux qui venaient. On venait non seulement se lever tôt, veillez et priez, hein, dit Jésus, veillez et priez. Non seulement on se levait tôt pour venir prier, mais en plus on venait de loin. Au début on venait de Lourdes, et puis après on venait de toute la Bigorre, de toute la région, de la France, et puis après très rapidement on est venu de l'étranger. Et puis aujourd'hui on sait qu'à Lourdes, eh bien, il y a le monde entier. Alors demandons que notre prière puisse, à travers la communion des saints, être contagieuse, puisse toucher d'autres personnes, puisse attirer d'autres personnes. Vous savez, il y a cette phrase qui dit « Une âme qui s'élève, élève le monde ». Plus je deviens saint ici, plus eh bien, je vais élever tous ceux qui sont assis sur les bancs autour de moi et plus largement dans le monde entier. Voilà, c'est la communion des saints. Plus je grandis en sainteté, plus je vais élever toute l'Église.